Bonjour les amis, ça faisait longtemps. J'ai pas donné de nouvelles, j'ai pas fait de vidéo depuis un bon moment parce que j'avais rien à dire, rien à montrer. Sauf jusqu'à maintenant. Là, je suis au bord de la Dordogne, alors je sais pas s'il y a de l'or ou pas, j'ai pas testé, l'eau est froide et puis je suis pas venu pour ça. Mais là, j'attends la gabare qui doit arriver d'une minute à l'autre. C'est une gabare. Une reproduction fidèle d'une gabare d'époque. Il navigue sur la Dordogne. Alors c'est la fête ici. Et donc on l'attend. On l'attend, elle est annoncée depuis un moment. Eh bien, Donc écoutez, ah. nous allons. On attend. A priori, on n'est pas si salé. Ah. Information importante, on attend. Donc on va voir, hein. On va voir quand est-ce qu'elle va arriver. Donc voilà un petit peu le monde qui attend la gabare. Donc moi j'ai choisi d'être sur l'autre rive. On va bien voir si c'est un bon choix ou pas. Nos amis qui sont ici, qui passent bien sûr, bonjour à tous. Vous avez vu un peu, c'était la même chose. On peut les applaudir, bien sûr. Ah bah voilà la gabare qui arrive. La gabare, c'est un bateau qui transportait principalement du vin par voie fluviale. Là, on est à Sénac et Saint-Julien. La gabare, embarcation à fond plat, a descendu la Dordogne, traversant tout le Périgord d'est en ouest. À bord, son équipage a ramé tout le long. Parfois, il a été nécessaire d'extraire la gabare de la rivière pour la hisser sur un camion. On va peut-être traverser pour aller la voir de plus près, parce qu'elle était un peu loin quand même, et puis un peu à contre-jour. Alors, on va peut-être aller là-bas. Allez, on file sur le pont de Sénac et Saint-Julien. Alors, l'événement a été appelé l'Odyssée d'Ordona, la gabare Elina II. Alors là, on peut voir la confrérie des vins de Dôme qui se prépare à la cérémonie pour le chargement des tonneaux. Là, il y a un premier tonneau qui arrive, donc je vous laisse regarder, et puis il va y avoir une petite surprise tout de suite. Voilà, nous y sommes, on y arrive, au moment fort de la chose. Là, il va se passer quelque chose, vous allez voir. Paf! Ça y est. Ah, voilà. Tu vois? Au ralenti. Tu vois? Ça valait le coup d'attendre. Alors, chargement. Voilà. Alors je ne sais pas s'ils sont complètement pleins, mais il me semble que ils y vont avec facilité. Parce qu'il y a un tonneau comme ça, je ne sais pas combien ça pèse, mais c'est assez lourd. Alors là, évidemment, les tonneaux ont été apportés par la camionnette d'époque des vins de Dôme. Et puis évidemment, toutes les confréries commencent à vouloir être photographiées. Donc j'en profite. Là, la confrérie des vins de Dôme.
Et puis, bah, les gabariers sont au travail. Bon, il est où ce petit fourni alors? Celui-là, il était pris à quoi? Il est là. Mais il était pris à... Il était pas attaché au farbatage? Oh, mais je suis con comme un falou. Là, il y en a un qui prend un risque. Va-t-il se retrouver à l'eau? Non, peut-être pas quand même. Alors, la confrérie de la noix du Périgord. Et puis, bien sûr, des maquettes des gabards d'époque. Voilà, c'était des bateaux à fond plat qui servaient à faire du transport sur la Dordogne. Principalement, on menait du vin de Dôme sur les navires qui devaient partir à Bordeaux. Allez, chers amis, vous découvrez les champs en Occitan. Hein. En ce moment, ici, au centre des marchés. On arrive dans une démonstration d'outils. Alors, des outils européens transformés dans le Périgord, voilà, qui sert à la fabrication des bateaux et des tonneaux et tout ce qui peut être de la menuiserie. Alors là, on assiste à une démonstration de fabrication de cerclages de tonneaux. Les cerclages qui se trouvent en haut, pas les principaux qui sont en métal, mais des cerclages en haut et en bas qui sont en je sais pas quel bois, mais un bois assez souple. Voilà, on voit que ils maîtrisent. Voilà, alors ce qui va nous faire des morceaux, des demi-rondins pour faire le cerclage du haut. Je vous présente. Bien. Donc voilà, donc Jean-Claude, je te passe la parole d'entrée puisque c'est toi le maître cérémonie. Quand même, vous allez voir, il y a des festivités qui vont suivre encore. Et il y a l'apéro. Le club des voitures anciennes de Sarlat a mis à contribution quelques modèles pour exposer des voitures d'époque, alors refaites à neuf. Et on est reconnu du parcours, Jean-Claude y fatigue, moi aussi, je ne sais pas comment on va arriver à Libourne, donc on y arrivera. Bon allez, je laisse la parole au président tu veux dire deux mots? Allez. Bon, j'ai perdu la bataille de Rhin, il y a 200 ans. Donc voilà, c'est une confrérie qui a été créée en 2000 dans le cadre pour faire descendre un bateau. Donc on revient sur la gabarre maintenant que tout est calme. On peut voir un petit peu comment le bateau est fait. Donc on va se projeter sur le pont Valentré à Cahors, pont du XIVe siècle, qui se trouve sur le parcours du chemin de Saint-Jacques de Compostelle que j'ai emprunté pour l'occasion. Alors évidemment, je peux me vanter d'avoir marché sur le chemin de Saint-Jacques de Compostelle. Attention, voilà, c'est la preuve. Ce pont médiéval à trois tours fait la fierté et la renommée de Cahors. Mais on l'appelle aussi le pont du diable. Il est inscrit depuis 1998 sur la liste du patrimoine mondial de l'UNESCO dans le cadre des chemins de Saint-Jacques de Compostelle que je peux me vanter d'avoir pris. Alors ce pont a été construit pour servir de forteresse contre les attaques venant du sud. Alors il a fallu un demi-siècle pour le construire. Ce fut si long qu'une légende
est né. Le diable du pont va l'entrer. Cahors, juin 1308, les consuls de la ville décident de construire un pont fortifié sur le Lot au lieu dit Valandré. Pour protéger la ville d'éventuelles invasions, il y eut déjà des barbares, les Normands. Un architecte est choisi, mais le chantier avance lentement. Exaspéré par la lenteur des travaux, le maître d'œuvre signe un pacte avec Satan. Si ce dernier met tout son savoir-faire au service de la construction et exécute tous les ordres, l'architecte lui abandonnera alors son arme en guise de paiement. Quelle ruse l'architecte a en tête pour obtenir l'avancée du pont et ne pas perdre son âme. Mais au contraire, si le démon, pour une cause quelconque, n'arrivait pas à aller jusqu'au bout, il perdait tous ses droits sur le prix en question. L'édifice montait rapidement, et quand le pont fut presque fini, l'architecte entreprit de sauver son âme. Il porta un crible à son formidable associé et lui demandait d'aller chercher de l'eau pour les ouvriers. Mais jamais le crible n'a gardé l'eau. Le diable se mordit les lèvres de dépit, car jamais il ne put tenir son marché. Mais il jura de se venger. Alors lorsque les maçons eurent presque achevé de construire la tour centrale, le diable envoya un petit diablotin qui chaque nuit retirait la dernière pierre de l'angle supérieur nord-ouest de la tour. L'architecte chargé de la restauration, Paul Gout, a en effet immortalisé cette légende par une pierre sculptée représentant le diable tentant d'arracher la pierre du pont, mais n'y parvenant pas, ses doigts étant coincés dans les joints de la pierre. Allez, on file à Florimond-Gommier, à la tour de Montcalou. Voilà, pour terminer cette vidéo, je vais vous donner le vertige. On va grimper un petit peu, vous allez voir. C'est dangereux, je vous montre tout de suite. Alors, pas plus de 20 personnes. Bon, bah, je pense que je fais pas le poids. Là, on va grimper à 23 mètres de hauteur sur la tour panoramique. Alors, cette tour est érigée sur le point culminant du sud du Périgord. Alors, elle a été réalisée en 2007. Alors là, on est à la tour de Montcalou. Ça va grimper, là, je vais monter. Faut pas avoir le vertige, mais bon. Alors, je passe la caméra de l'autre côté. Voilà, alors on va monter. Alors ça, c'est le premier palier. Alors là, nous sommes revenus dans le Périgord, dans le département de la Dordogne, 24. Et c'est une balade qui vaut vraiment la peine. Faut faire un détour pour y aller. Alors, Florimond-Gommier. Voilà. Alors, les vignes, évidemment. Et là, on va encore monter. Il y a encore à monter, hein. Comme vous pouvez le voir, on voit à travers les marches. Et là, quand on a le vertige, c'est vrai que c'est une sensation surprenante. On commence à avoir du vent. On va voir ce que ça va donner pour le son. On continue. Thank you.
Alors, comme vous pouvez le voir, on commence à prendre de la hauteur, et là, côté vertige, c'est pas terrible, terrible. Alors, c'est vrai que je tenais mon téléphone à la main, j'avais pas ma perche, et là, je commençais à voir la main qui tremblotait un petit peu et la peur de laisser tomber mon téléphone. Bon, c'est vrai que le spectacle est beau, on voit très loin, on voit tout le Périgord, on voit même jusqu'au Lot. Alors là, j'ai filmé rapidement la table d'orientation. Mais si vous voulez stopper l'image pour pouvoir lire les indications, vous pouvez, c'est très très lisible, c'est net. Alors c'est vrai que la vue est spectaculaire vue d'ici. Et là, on va commencer la descente. Alors la descente, c'est moins impressionnant parce qu'on ne voit pas à travers les marches. Bon, c'est vrai que la structure, elle ne bouge pas, donc même avec du vent, on sent rien. Mais c'est vrai que c'est voir à travers les marches, c'est impressionnant. Alors j'espère que cette balade vous aura plu. C'est une vidéo, un peu tourisme, mais bon, intéressante quand même. Je tiens à trouver des sujets peu ordinaires, des sujets intéressants, et pas me cantonner aux monuments, aux choses que tout le monde voit. C'est vrai que j'ai pas filmé de château, parce que ça, on les voit partout. Alors on va se retrouver bientôt pour d'autres vidéos. Alors je vous expliquerai dans la vidéo prochaine un petit peu la suite des événements parce que je ne sais pas ce qui va se passer. Alors n'hésitez pas, abonnez-vous, laissez-moi un pouce en l'air. Je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Allez, au revoir les amis.